est dans l'espace Dominique Bagoué et aujourd'hui nous y exposons donc les artistes montpelliérains du 19e siècle. Alors nous avons essayé de faire un accrochage qui est un accrochage justement inspiré de canons de l'art contemporain. Parce que l'idée dans cette salle c'était en fait de dépoussiérer l'œuvre de ces artistes que parfois on a eu tendance un petit peu à oublier, qui sont passés à la trappe de l'histoire. Et c'était par un accrochage audacieux, par une présentation un peu différente, essayer de remettre la lumière sur leur œuvre. Il était nécessaire de faire redécouvrir les peintres qui, pour la plupart, sont restés sur Montpellier, uniquement sur Montpellier, et qui sont mal connus des Montpelliérains, qui n'ont pas été dans des expositions de mesure nationale. Alors il était important que les Montpelliérains se rappellent que là aussi, sur Montpellier, nous avions des artistes, de véritables artistes peintres.